Et salut tout le monde, c'est Marsbro, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se retrouver sur Hearthstone pour faire le bras de fer. Alors, tout simplement, à chaque début de tour, on va avoir trois cartes. Donc, le mode découverte, bien sûr, le mode qui est en ce moment sur Hearthstone, qui est fort sympathique, je dois l'avouer. Alors, moi je vais choisir, je pense, la classe Paladin. Étant donné que je la joue très rarement, vous voyez, hein, niveau 26. Je vais la jouer parce qu'il y a quand même de bonnes cartes au niveau du paladin, ça peut être assez marrant. Surtout au niveau des légendaires, si on a Tyrion, etc. Ça peut être assez sympathique. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à partager vos impressions en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous répondre. Vous pouvez voir le peu de personnes qui a répondu, qui a envoyé des commentaires, je leur réponds, disons, dans l'heure qui suit, si je suis devant l'ordinateur. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Alors on est parti, donc un adversaire convenable, bien sûr, comme prévu. Oh, on est contre Garrosh, donc le petit guerrier, ça peut être pas mal. Ok, donc on a des pirates dès le début. Alors j'imagine que c'est tout le temps la même, on va en enlever une pour voir. Bien sûr, il n'y a pas de decklist, hein, vu que c'est le bras de fer, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. On va sûrement, là c'est à mon tour, donc je vais sûrement découvrir, voilà, une carte. Géant mécanique, pas intéressant. Colère divine, vaut plus une carte. Alors ça peut être... Ouais, pour mettre le board, ça peut être pas mal. On va dire bonjour. Tu veux dire bonjour à la caméra, mon chat? Allez, viens là. Hop. Monsieur la terreur. Voilà la terreur. Dites-lui bonjour. Allez, on se remet dans le jeu. De toute façon, il est tout le temps là. Hein. Alors. Ok, donc lui aussi, il a des pirates, apparemment. Kel'Thuzan. Peut-être un petit peu cher. Mais bon, j'ai bien envie de le prendre. Allez, on va essayer de s'amuser avec Kel'Thuzan. Ça peut être marrant. Peut-être le son qui est un peu fort. Voilà, je le baisse. Vous entendez le chat qui mange des croquettes, je suis désolé. Ça, c'est le chat, hein, il fait exprès. Hein. De toute façon, bah, c'est que la gamelle est juste à côté du micro, donc c'est pas super au niveau du micro. Mais non, normalement, ça pose pas trop de problème, je pense. Non, il n'y a rien d'intéressant à part le mini-robot blindé. Mais limite, ça serait mieux. Ta-ta-ta. Non, ça, c'est quand même mieux. Alors, on va faire le trade. Donc là, le mini-robot blindé contre pirate. Ah, il s'appelle pirate. Ah, il me semble pas qu'elle s'appelle pirate. Ben non, elle s'appelle pas pirate déjà parce qu'elle a un effet de base. Donc ouais, c'est juste, ils ont repris juste le skin en fait. Voilà, faut que je fasse gaffe, ouais, parce que si tu cliques dessus. Esprit combatif, pas intéressant, mais du coup, purificateur en masse. Des purificateurs en masse. Bon, on va prendre le purificateur, tant pis pour moi. Limite. Ouais, non, c'est pas grave. Il n'y a rien de. Pour l'instant, il n'y a rien de palpitant sur la game. J'espère que ça va un peu se mouvementer, on va dire. Peut-être des petites légendaires. Bon, on a quelques Tuzan, mais c'est quand même une légendaire assez classique, on va dire. Donc, pas forcément intéressant. Moi, j'aimerais bien avoir un petit Tyrion, pourquoi pas. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Isera? Isera, ça pourrait être marrant, ça. Après, il y a Sylvanas, Torissan, Dr. Boom, bien sûr. Faut pas oublier Dr. Boom. Il a chopé une petite arme, donc ça, c'est plutôt cool pour lui. Voilà. Ah, putain. Vous voyez la gaffe, là? Je viens de cliquer sans faire exprès. Donc, c'est super cool. J'ai pas eu le temps de voir. Je verrai au montage si j'avais eu des bonnes cartes. Disons que je serais quand même assez déçu. Là, je suis vraiment déçu. Faut que j'arrête de cliquer en fait pour rien. Parce que j'ai l'habitude en fait de cliquer là-dessus. Vous voyez là, par exemple, là j'ai cliqué dessus. Ok, donc le mec joue saccageur dès le début. En plus, la fatigue n'est pas très importante. J'ai dit que j'arrêtais de cliquer, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je fais que ça. Régiment de bataille, c'est tout de même une bonne carte. Donc, allez hop. On va lui faire
perdre des pirates. Youpi! Bah du coup, voilà quoi. Il est chiant. Ah ben là, on n'a pas trop le choix, le mec qui sort en saccageur T5. C'est pas trop mal pour lui, j'ai envie de dire. Allez, Henrik. Ok, il se donne de l'armure. Et il va face, j'imagine. Voilà. Donc moi, j'ai quand même le heal. Consécration. Est-ce que ça peut me faire permettre un trade? Krigar donne plus 2, plus 2 à vos recrues. Ça c'est trop bien, ça. Ça, tous les jours, les amis. Est-ce que je devrais me heal au lieu de faire un taunt? Enfin, ça, la main d'argent. Soit je fais une recrue, je pose l'intendant, très grosse value, je peux trade, 2, 4, 6, ouais, je peux trade, mais je suis un peu... Ouais, non, allez, on est parti. Ah merde! Putain, et en plus j'ai raté. J'ai misplay, mais de ouf. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! J'en ai marre, je fais que des misplays là. Là, faut forcément full trade, hein. Non mais. Alors, j'ai fait deux misclicks. Un misplay. Ouais, un misplay, comme ça. Voilà. Putain, non, c'est pas possible. Je pense que vous avez tous vu le misplay que j'ai fait, hein. Pas besoin de vous dire ce que j'ai fait. En espérant qu'il n'ait pas beaucoup de cartes, parce que là, waouh. Waouh. Est-ce que quel tizen peut être marrant? Ah, cette fois-ci j'ai pas cliqué, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est nul? À la limite, ni robot blindé et un quel tizen pour trade. Ouais, ouais. Il a peu de chances d'avoir un tour 1. Donc c'est super. Hein. Je réanime une recrue. Waouh! Paye ta value. Du coup, mais ça fait quand même une 6-8 dans le board, sur le board, donc c'est plutôt cool. Lui, il peut quand même choper des exécutions, des bastons, etc. J'imagine. Vu que moi j'ai chopé des sorts. Enchaînement. Ok. Et baston. Exécute. Non, il l'a pas. Enfin, il peut l'avoir, hein. Ça dépend comment il joue. J'ai 12 points de vie, donc là ça m'emmerde, clairement, faut le dire. Hein. Alors, ils disent chaque fois que vous ciblez un serviteur avec un sort. Ok, donc je vais pas le cibler. Détruit tous les serviteurs, excepté le serviteur ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. Bah, c'est nul pour moi. Un autre intendant, ça peut être marrant, ça par contre. Je vais pas avoir. Non, je vais pas avoir d'autres. Allez, on fait ça. Je trade. Hop. Et pour l'instant, je me mets plutôt bien. Faudrait faire gaffe à la baston. Donc je vais me healer, tiens. Je vais garder l'arme. Pour l'instant, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Deux intendants, etc. Alors, oula, destructeur. Qu'est-ce qu'il fait lui? À la fin de votre tour, invoque un scarabée avec 1-1 provocation. Tiens. Bon, c'est pas si fort que ça en fait. Ouh, j'ai failli cliquer. Bon, ça va, c'était mieux. C'était la meilleure carte de toute façon. Quoique, remplacer un intendant par un T5, ça peut être marrant ça aussi. Ou piocher 3 cartes, ça sert à rien de piocher en fait. Mais je vais remplacer. Ah, blablabla. Non, clic droit, voilà. L'intendant, tu vas taper. Voilà. Hop, on remplace l'intendant par un T5. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'est parfait ça. Est-ce que je trade? Bah je crois, hein. Je crois que c'est mieux de trade. 6, ouais. Voilà. Allez, on laisse passer. Ils reviennent à un point de vie ou à... Oh non, ils reviennent à un point de vie, faut pas exagérer. Ah là, un autre intendant, là, ça pourrait être plutôt cool. Hop, je vais enlever la souris dessus.
Donc, du coup, le recombobulateur, oula, c'est un peu galère à dire comme mot. Géant du givre, charge, oula, dur. C'est un peu con ce qu'il vient de faire parce que ça y a ce rip-hop quoi. Copie pour de votre adversaire, pas intéressant. Du heal, allez, c'est parti. Mais du coup, on peut pas jouer ce heal-là. Alors. Là là, le chat qui fait du bruit. 2-5, ouais, bah c'est bon. Hop. 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 Et on va mettre le roi. Voilà. Puis c'est tout. Pas l'intendant, la provoque. Merde. J'aurais dû. Ah ouais, si on trade de l'autre inverse. Ah, quoique ça doit être peut-être aléatoire, je sais pas. Exactement. Bon, je pense que on est plutôt. Là, je suis plutôt bien dans la game. Il a plus que 8 points de vie, donc franchement. Ok. C'est la victoire. Et voilà, on va ouvrir le booster ensemble. Allez, peut-être une légendaire. Ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait 5 boosters à peu près que j'ai pas eu de légendaire. Donc un booster classique. Donc là, j'ai un gros bug. Voilà, ok. Allez, hop. On est parti pour faire ça. La suite de l'arène sera dans la semaine, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, il y a le bras de fer. Alors, du coup, je fais la vidéo maintenant. Et ça sera pas de légendaire, les amis. Tant pis pour moi. Ben, en ce moment, même pas d'épique. Que des. Oh, Drake du Crépuscule. Je sais même pas si je l'ai. Enfin, je l'ai pas en 2 fois, je crois. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à mettre un like et à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, je vous aime, le bro.